de nos jours abandonner une vie douillette et confortable pour ce qui pouvait paraître comme une chimère. Créer un espace de dialogue pacifique où les intellectuels de la Méditerranée peuvent échanger sans préjugés ni parti pris. Pour réaliser cet objectif, tu as délaissé un cabinet d'architectes florissant pour te consacrer entièrement à une fondation que tu as créée et qui est dédiée à rapprocher les peuples de la Méditerranée. Une profession de foi que seuls les hommes et les femmes investis d'une mission qui les transcende et les sublime peuvent accomplir.